Souvenez-vous, en 1968, Citroën lançait sa Mairie. Près de 47 ans plus tard, le constructeur français réinterprète le véhicule de loisirs par excellence avec la Imerari. Pour concevoir cette nouvelle Mairi, Citroën n'est pas parti d'une feuille blanche puisqu'ils ont repris la plateforme et la base de la Bolloré Blue Summer. Résultat, on a un véhicule qui affiche toutefois des lignes propres avec l'éclairage typique de Citroën en deux parties. Les dimensions sont d'augmentation de 12 cm en raison des normes piétons pour une longueur totale de 3,81 m. Sans surprise, cette Imerari reprend le concept de véhicule de loisirs sympathique. On peut le voir puisqu'il s'agit toujours d'une découvrable, pas de toit en dur et toujours 4 places. Comme on peut le constater, simplicité à bord cette Citroën Imerari qui reprend globalement la présentation de la Blue Summer, un véhicule de loisirs typé plage qui est entièrement lavable au jet, que ce soit au niveau de la sellerie qui est en TEP, mais également de tout le véhicule. Simplicité également au niveau de l'équipement, bien sûr. On notera qu'il y aura la possibilité d'avoir du streaming audio par Bluetooth et une seule finition. Cette Imerari reprend donc le concept du véhicule de loisirs par excellence avec une simplicité d'usage grâce à la possibilité de laver facilement en véhicule, mais également possédant un look très sympa. On a affaire bien sûr à un véhicule 100% électrique qui est animé par un moteur dont la puissance se situe aux environs d'une soixantaine de chevaux. La commercialisation interviendra au printemps 2016. Deux offres s'offriront à vous, soit alors un achat dont le prix n'est pas encore fixé mais devrait se situer à 24 000 euros plus la location des batteries, ou alors un système de location tout inclus.